entière adoptée. Vraiment bien adoptée. Mademoiselle peut aller dehors faire tout ce qu'elle veut, mais elle adore sa litière. Pourtant, c'est un chat de campagne. Elle est née à la campagne dans une maison libre d'aller et venir. Eh ben non. Elle va se balader, elle part des heures et elle revient pour aller dans la litière de Coquelicot. Bon, je suis contente, elle a adopté la litière, c'est l'essence. Aujourd'hui, la patronne météo est un peu grisonnante. Grave, pas du tout. On a toujours le sourire. Bonjour mes chéris, d'ici, d'ailleurs, et surtout dans mon petit cœur. Alors, j'aimerais bien finaliser mon rangement au-dessus de mon lit. Je sais pas si tu te souviens, je veux mettre un truc qui pend en tissu et c'est Christa qui doit me le fixer parce que moi j'en suis là par contre j'en suis vraiment incapable. Percer des trous, etc. Non, là j'y connais rien. J'aimerais faire ça pour pouvoir, parce que finaliser le rangement, enlever le matelas d'occasion et faire gonfler le nouveau matelas. Parce qu'il faut quand même plusieurs jours pour faire gonfler le matelas que je me suis acheté. Mais Christa, elle bosse. Elle bosse avec sa convention de book crossing pour Bordeaux, international. Je crois pas. Je vais passer à l'acte. Je vais vraiment passer à l'acte parce que j'ai très envie qu'elle vienne accrocher mes petites étagères en tissu. Donc, mission, passage à l'acte, kidnapping et pose de mes étagères. En avant. En avant. Salut Christa. Salut Christa. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Tu fais quoi? Toujours pareil. La convention du book crossing, parce qu'il y a toujours des choses au dernier moment, hein, voilà. Oh, tu veux un petit café, tu veux... Je veux déjà prendre un petit chocolat, là, pour me remonter le moral, parce que j'ai dit la date limite, c'est le 9 avril, nous sommes lequel aujourd'hui? Le 11? Ouais. Il y a toujours des gens, ah, j'ai pas encore venir. Dis, Christa. Oui. T'aurais pas besoin d'une petite récréation? Ouais, mais bon, je peux pas. Faut que je tu bosse. Sais quoi? Oui, j'ai un joli bricolage pour toi. Un super bricolage pour toi. Des bricolages? Ouais. Tu veux venir faire mon bricolage, s'il te plaît, Christa? Tu me parles de bricolage, tu sais très bien comment je réagis, moi, en ce moment-là. Mais c'est ça, un bricolage super sympa. Ouais, tu veux quoi? Tu sais accrocher mes étagères tiroirs sur mon lit. Ton truc vert, là. Ouais. Tu veux bien bricoler aujourd'hui? Ça va te détendre. Il pleut? Mais dans le camping-car, il pleut pas. Bon, alors, on y va. Yeah! Il me tourne le dos et elle me fait... Non, t'es pas filmé, tourne le dos. Et ça, alors oui. Tu vas me fixer. Mon petit meuble vert en tissu. Regarde, il te regarde là à côté. Regarde. Oui. Bon, allez. Tu vas me le fixer. Allez, dis, Christa. Allez, je vais te le fixer. Allez, il est où, Tom? Donc, il faut, pour le fixer, il faut déjà ça. Hein? Ensuite, il faut perceuse, visseuse, agrafeuse. Ah, j'espère que la visseuse ne va pas être déchargée. Je l'avais oublié dans Coquelicot. Il a fait dodo dans Coquelicot. Bravo. Donc il ne s'est pas rechargé. Bon, si c'est pas rechargé, on peut faire autre chose. Bon, à ce moment-là, je vais essayer de pré-percer avec la perceuse, parce qu'elle est rechargée. Hein, voilà.
Et ensuite, il suffit de visser. Voilà. Et sur le côté, bah, on va mettre des agrafes. Hein. Ouais, je crois que c'est plus facile. Si jamais ça s'arrache, la première chose qui va lâcher, ça ne sera pas ta paroi, mais ça sera le tissu. Oui. Alors, à la limite, si vraiment ça lâche un peu, tu auras le tissu un peu déchiré. Il faudrait à ce moment-là trouver une autre solution. Mais je pense que si on met plusieurs agrafes tout le long, là, un peu partout, là, je pense que ça devrait aller. Hein? Voilà. Domino, un camping-car, c'est petit. Oui, mais lui aussi, il est petit. Oui, mais si on te marche dessus, t'es quand même pas une carpette. Hein. Allez, grimpe sur le lit, voilà. Allez, grimpe. Allez, viens là. Allez, monte là. Allez. Bon, il faut que je monte moi, et puis lui, voilà. Il va peut-être suivre. Bon, tu montes là? Non, bon. Mais il va monter quand tu t'occuperas plus de lui. Bien évidemment. Bon, allez. Ici, et il faut... Allez, hop, juste pour tester, on voit si ça marche, comment j'ai pensé de faire. Voilà. Et même avec ton nouveau matelas qui va être plus haut, tu as toujours assez de marge en bas là, tu vois. Oui, d'accord. Puis je peux descendre un peu le lit aussi. Tu peux descendre aussi un peu le lit. Et bien évidemment, personne n'a pensé d'amener un crayon. Domino, t'apprends à conduire? Non, mais t'es un petit peu trop petit, t'arrives pas jusqu'aux pédales. Je suis désolée pour toi. J'y vais. Je cours. C'est moi l'ouvrière, c'est moi la grouillot. Ah, j'adore donner des ordres. Moi, ça me gêne pas. Tant qu'elle bricole. Voilà, la super agrafeuse de la mort qui tue. Ouais. La meilleure amie. Allez, hop, maintenant. Chérie à moi. Ça arrêterait de me payer un café ou quoi que ce soit d'autre là. Hein. Tu veux un petit bout de chocolat? Ah oui. Et en plus, elle m'a arraché de mon boulot de book crossing, de convention. Vous savez que les chéries, vous avez intérêt à savoir un mais... jour que Christa nous fasse une vidéo sur book crossing, parce qu'avant que vous en entendiez parler, vous aussi, vous allez être comme moi, vous allez saturer quoi. Vivement la
convention. C'est qu'en fait, Ambre, elle sait très bien, elle a prononcé le mot miraculeux, le mot magique. Vous devinez ce que c'est, elle vous a déjà parlé dans une autre vidéo. C'est bricolage. Et là, je cours. Et voilà. Ça a été une grande journée. Les étagères, hein, grâce à Krissa. Et maintenant le matelas. Je l'ai fait toute seule, hein. T'as vu, je l'ai fait toute seule. Oui, hein. Oui, toutes mes félicitations. Au revoir, mes chéris. Au revoir. Tu dis pas au revoir, toi? Si, mais bon, mais je me vois pas, donc je fais comme ça. Coucou. Salut tout le monde.